Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur BCVS Live. Ça y est, c'est les vacances et beaucoup d'entre vous ont décidé de se rendre à l'étranger. Alors comment gérer au mieux son argent durant cette période? On en parle tout de suite avec Michel Hubert, conseiller à la clientèle BCVS pour la région de Sion. Michel Hubert, bonjour. Bonjour. C'est la période bénie des vacances qui commence, j'espère que c'est le cas pour vous. Encore malheureusement. Pas encore. Ben, ça tombe bien parce qu'on a quelques conseils à vous demander, notamment le fait de prendre de l'argent liquide à l'étranger. Ça, c'est toujours un petit peu ennuyeux. Quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à nous? Alors, la Banque cantonale du Valais met à sa disposition, à la disposition de la clientèle, un certain nombre de cartes, comme la carte de crédit, la carte prepaid, ou encore la carte Travel Cash. Pour la carte de crédit la plus connue et la plus polyvalente, le client définit une limite de crédit. En fonction de son utilisation durant le mois, ce sera retiré sur son compte auprès de la BCV. Ensuite, il peut l'utiliser, sa carte, durant le mois, soit sur Internet ou dans les commerces. Et c'est également la seule carte qui est reconnue lorsqu'on souhaite louer une voiture à l'étranger en titre de caution. Que proposent les autres cartes dont vous avez parlé? Alors ensuite, il y a la carte prepaid et la carte Travel Cash. Ce sont toutes les deux des cartes prépayées. Ça signifie qu'il faut les recharger en utilisation. Ensuite, pour la carte prépayée, la différence avec la carte Travel Cash, c'est surtout son coût. Elle coûte 50 francs de cotisation annuelle et son type de chargement. Il faut la recharger par bulletin de versement, soit par e-banking, soit auprès de la poste. Après, ce qui est intéressant, pour les moins de 30 ans, elle est offerte. Et pour ce qui est de la Travel Cash maintenant? Alors pour la Travel Cash, il n'y a pas de cotisation annuelle et le rechargement se fait auprès d'un des guichets de la Banque cantonale du Valais, sinon pour l'utilisation comme la carte prépayée dans les commerces ou sur Internet. On peut l'utiliser donc dans les magasins? Tout à fait, également dans les magasins. Il est aussi recommandé peut-être de prendre la carte Maestro, la carte de tous les jours. Elle est reconnue mondialement et elle permet aussi de payer dans tous les commerces et de retirer au bancomat. Je pars à l'étranger, est-ce que c'est mieux que je change mon argent avant de partir? Bien sûr. Alors, la Banque cantonale du Valais applique les taux du marché par rapport à l'euro, la livre sterling et le dollar américain. Pour toutes les monnaies un peu plus exotiques comme une couronne suédoise ou bien des bahts thaïlandais, la Banque cantonale offre la possibilité de se faire livrer à domicile dans un délai de 1 à 2 jours en courrier A ou en recommandé selon l'importance du montant. On entend beaucoup de choses. Selon vous, quel est le moyen de paiement finalement le plus sûr lorsque l'on est en voyage? Alors, toutes les cartes de la gamme Mastercard sont sûres. Après 3 codes PIN erronés, la carte est automatiquement bloquée et le client doit contacter une centrale d'appel afin de se faire identifier. La carte Maestro a encore une couverture supplémentaire. Hors Europe, il est possible de l'utiliser uniquement à hauteur de 300 francs, et ce qui limite considérablement les risques en cas de vol ou de piratage. D'accord, et y a-t-il des contrôles supplémentaires qui sont effectués? Oui, alors Mastercard identifie par exemple une utilisation simultanée à plusieurs milliers de kilomètres comme une anomalie. J'entends par là s'il y a un retrait par exemple à Sion et quelques temps après, peut-être une heure après au Bangladesh, le système va détecter une incohérence et va contacter le client afin de voir si l'utilisation est bien de son initiative. Voilà qui est rassurant. Michel Hubert, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis si vous avez des questions complémentaires concernant ce sujet en particulier, rendez-vous sur info@bcvs.ch ou au 0848 765 765. Et puis en tout temps, bien sûr, rendez-vous sur notre site internet bcvs.ch. Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle BCVS. Et puis, on sera bien sûr sur les réseaux sociaux en tout temps. N'hésitez pas à nous contacter. À toutes et tous, très bel été, profitez des vacances et à bientôt.